La Société française de prospective a été créée en 2013 par un groupe de prospectivistes qui venaient d'horizons divers, de l'université, de consultants, de ministères, comme une société savante pour professionnaliser cette activité de prospective, pour en faire la promotion. Et au fil des années, elle est devenue un peu comme une instance d'interface entre les prospectivistes et la société civile, au sens large, en diffusant des méthodes, en réfléchissant sur des sujets d'intérêt général. Elle est devenue aussi un instrument de communication entre des communautés de prospectivistes qui réfléchissent à des sujets d'intérêt commun, dans le cadre notamment d'un collège de prospective qui a été récemment initié par la Société française de prospective, dont elle est le secrétaire. C'est un organisme qui, d'une certaine manière, facilite un peu la communication au sein du monde de la prospective et qui est organisé par des commissions. Il y a des trois commissions notamment qui sont actives. Une commission des organisations qui travaille actuellement, qui va sortir un ouvrage sur l'avenir du travail, la métamorphose du travail. Il y a une commission de l'environnement qui réfléchit sur des problématiques autour du climat ou de la biodiversité en faisant des auditions d'experts. Puis il y a une commission sur la prospective territoriale qui va notamment essayer de réfléchir aux manières de répondre du mieux possible aux besoins des territoires, des collectivités territoriales. Mais elle a aussi comme un grand événement chaque année, un événement annuel qui s'appelle le printemps de la prospective, où un sujet particulier est traité. Alors elle a traité au fil des années différents sujets, à l'origine des questions comme l'empathie ou la simplexité, façon de penser de manière générale l'approche du monde. Et puis il y a des sujets plus concrets comme l'éducation, là nous avons parlé du travail, et elle a eu un travail, un effort particulier sur ce qu'on a appelé la grande transition de l'humanité, qui est de réfléchir aux grandes évolutions qui se produisent aujourd'hui et qui combinent la révolution numérique, le changement climatique, la transition démographique, et qui fabriquent une société au niveau mondial qui ne ressemble pas et qui ne ressemblera pas à ce que nous avons connu depuis plusieurs décennies, et sur laquelle il est important de faire converger les analyses et ce sujet, notamment de grande transition. Donc elle est, je dirais, un peu un instrument d'animation des esprits, avec à la fois des membres individuels qui viennent de divers milieux, universités, ministères, consultants, et puis aussi quelques membres institutionnels qui viennent compléter ces apports individuels. Alors ça, c'est une question difficile. Une question difficile parce que il s'agit de bien comprendre de quoi est faite cette grande transition. Et ce dont on s'aperçoit aujourd'hui, c'est qu'il y a des processus de transformation profonde de la société. Et on peut même parler d'une bascule. D'une bascule parce qu'on ne peut plus se comporter, par exemple, en termes de consommation de ressources, en termes de fonctionnement général de la société, de l'économie avec l'énergie, comme on l'a fait dans le passé. On ne peut plus non plus avoir un rapport aux politiques et aux institutions comme on l'a eu dans le passé. On voit bien des processus de contestation qui prennent des formes nouvelles avec les nouvelles technologies. La France a vécu depuis 18 mois dans un contexte politique très différent de ce qu'elle a pu connaître il y a seulement quelques années. Donc on est dans un monde en bascule, y compris en bascule au niveau géopolitique, avec des phénomènes inattendus qu'on appelle des signes noirs, les black swans, comme par exemple aujourd'hui l'épidémie de coronavirus qui peut-être ne touche pas énormément de gens, mais néanmoins commence à freiner sérieusement l'économie mondiale compte tenu de son intégration au niveau des productions industrielles, par exemple. Donc on est dans une bascule. On n'est plus dans le monde d'avant. La notion de transition est quelque part un peu neutre, un peu trop neutre. Il faut aujourd'hui regarder les choses de manière plus ferme, en disant ben non, on est en train de basculer dans un autre monde. Et quel autre monde? Et là, la question des politiques publiques
devient central parce qu'il faut à la fois élargir l'horizon, l'agrandir avec, en sortant des problématiques électorales où finalement il s'agit de se faire réélire tous les 5 ans. Il faut secouer les institutions qui quelque part sont inadaptées, y compris par l'évolution des technologies qui mettent en communication maintenant toutes sortes de groupes qui pèsent sur la société. Donc la fabrication des politiques publiques, aujourd'hui, quelle qu'elle soit, doit intégrer ces nouveaux paramètres. Alors, comment s'y prendre? Il faut regarder objectivement comment ces politiques, aujourd'hui, se font. Quels sont les acteurs qui contribuent à les mettre en place? Est-ce que les modes dans lesquels elles se construisent certains acteurs qui peut-être capturent trop de pouvoir et n'ont pas suffisamment d'élargissement sur la société civile, dans quelle mesure il faut faire évoluer ces pratiques, dans quelle mesure il faut mobiliser les différents acteurs, y compris sur les territoires. Pourquoi sur les territoires c'est important? C'est parce que c'est là où va se fabriquer la résilience. La résilience des sociétés, elle se fait toujours au niveau local en fonction de l'intégration qu'il y a dans les communautés. Donc, c'est important de mobiliser à ce moment-là les acteurs des territoires dans la fabrication des politiques publiques, quelles qu'elles soient, que ce soit dans l'environnement, que ce soit dans l'énergie, que ce soit dans l'éducation ou autre. Donc, c'est cette ouverture par rapport aux transformations des sociétés qui doit être prise en compte pour réfléchir à ce que seront les politiques publiques de l'avenir, avec un élément qui aujourd'hui est devenu central, c'est qu'en fait, on ne peut plus penser une politique publique sans la mettre aussi dans un contexte international et global. D'où l'importance de l'Europe, mais pas seulement. Tout ce qui se passe ailleurs dans le monde impacte nécessairement de manière très forte toute politique publique que l'on peut imaginer. Écoutez, ça c'est une question qu'évidemment il faudra que je discute avec mon conseil d'administration, mais on peut avoir quelques pistes. Nous avons à la Société française de prospective une certaine expertise dans la méthodologie. Elle s'est fondée au départ sur une méthode, méta-méthode qui s'appelle comprendre, anticiper, proposer, CAP, qui s'applique à beaucoup de domaines. Et donc on peut très bien faire cet apport méthodologique, quels que soient les sujets sur lesquels vous souhaiteriez travailler. La deuxième chose, c'est qu'on a une certaine expertise dans notre conseil d'administration lui-même, mais aussi dans nos réseaux, sur de multiples sujets, qu'il s'agisse de l'environnement, l'éducation, le travail ou autre. Et puis, dans les politiques publiques elles-mêmes. Moi-même, j'ai fait du conseil en politique publique, dans le domaine de technologie, l'éducation, la recherche, l'industrie, la finance, la gouvernance, à travers le monde, dans plus de 40 pays. Donc cette connaissance, si vous voulez, de la politique publique en tant que telle, pour revenir sur la question précédente, est aussi une expertise que nous pouvons mobiliser. Au bout du compte, ce qui quand même va être déterminant pour vous aider, c'est d'avoir une bonne compréhension de la société française. Et cette bonne compréhension de la société française, on peut faire appel à des experts qui ne sont pas nécessairement dans la Société française de prospective, mais qu'on peut mobiliser s'il y a une demande précise. Et à ce moment-là, on fabrique une méthode de travail en fonction de vos besoins.